Eh bien salut à tous, c'est Shadow et on se retrouve pour la partie 4 en fait, vu que la partie 3 n'a pas pu être donnée, de Assassin's Creed. Donc nous sommes juste après... Ah, je dois regarder le temps, c'est très important ça. Où est-ce que je dois aller? Merde, 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 merde. Je suis en train de complètement me perdre là. Alors le temps, il est E22. Donc vers E30, par là, je pense arrêter la vidéo. Bon, voilà. Ah, c'est là-bas que je dois aller. Bon, ok, je suis vraiment désolé de passer direct à cette partie 4. C'est bien de te péter la gueule, Ezio. Il va se faire peut-être repérer. Non, 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 non. Ah, mais ça, c'est les genre les moments qui servent à rien, quoi. Donc on est juste après la mission de tabasser l'ex-petit copain de la sœur d'Ezio. C'est bien Ezio, je t'ai bien rattrapé. Je dois trouver une... Ah non, c'est juste là. Et ouais, Donald. Bref, je m'en sors plutôt bien jusqu'à maintenant. Maintenant, il y aura la mission avec Petruccio, le petit frère d'Ezio. J'ai lu dans sur Wikipédia qu'il était autiste. Ça, je ne le savais pas, donc pour vous qui ne le saviez pas... voilà. Ah, et j'ai oublié de préciser quelque chose, en fait, pour le Sniping Tournament... Ah non, c'était pas ici, bon, c'est pas grave. J'ai oublié de préciser quelque chose donc pour le Sniping Tournament. Donc si quand vous m'envoyez des mails, j'aimerais s'il vous plaît que vous mettiez votre pseudo sur Steam. Et puis votre team, le nom de votre team. Comme ça, je saurais si... Ah, j'étais juste à côté. Combien il y a de personnes en fait de la même team. Je vous salue, père. Viens avec moi. Y a pas la mission avec Petruccio? Me croirais-tu aveugle et sourd, mon fils? Je sais que tu t'es battu avec Vieri de Pazzi hier soir et qu'ensuite tu as rendu une petite visite à Christine. Ton comportement est inacceptable. Tu... Ah ben non, en fait, c'est revenu en arrière et... Tu me rappelles, moi, quand j'avais ton âge, mon garçon. Putain. J'ose espérer que ces mésaventures ne vont pas... Bah en fait, ce n'est pas la partie 4, c'est bien la partie 3. Je vous en donne ma parole. J'ai ici quelques documents qui sont destinés à Lorenzo Di Medici et tu vas devoir les lui remettre. Avec plaisir, père. Dépêche-toi, il y a déjà 5 minutes qui se sont écoulées pour rien. Non, ça sert à rien ça. Oui, j'accepte. Non, je voulais accepter. Pourquoi me fais-tu ça, Ezio? Mais attendez, ça je l'ai déjà fait dans le truc d'avant, non? Oh, je comprends plus rien. Moi, je crois que je vais tout faire en même temps d'un seul trait vu que j'ai beaucoup de temps et puis je sais pas si c'est la partie 3 ou la partie je ne sais combien. Je vous salue, père. Oui, c'est bon, on a déjà tout vu ça. Qu'y a-t-il? Me croirais-tu aveugle et sourd, mon fils? Je suis vraiment désolé. Je sais que tu t'es battu avec Jerry de Pazzi hier soir et qu'ensuite tu as rendu une petite visite à Christine. Si cela a déjà été montré. Inacceptable. Tu me rappelles moi quand j'avais ton âge. Tu me rappelles moi quand j'avais ton âge, mon garçon. J'ose espérer que ces mésaventures ne vont pas t'empêcher de travailler. Non, père. Je vous en donne ma parole. J'ai ici quelques documents qui sont destinés à Lorenzo Di Medici. Pourquoi pas passer ces cinématiques? Avec plaisir, père. Reviens me voir quand ce sera fait. YouTube ne me permet pas longtemps, Ezio, donc cours plus vite. Vas-y. On ne va pas passer par les toits, c'est trop dangereux.
Vas-y, Ethio. Allez, il y a une échelle. Peut-être qu'on va monter par la fenêtre. Bouge ton cul, toi. Mais va sur l'échelle, Ethio. S'il y a une échelle, c'est justement... Oui. Mais tombe! Lâchez. Ah bon, ok, ok. Tombe! Mais tombe, bouffon! Et tiens! Oh, enfin! Non! Ouf. Ah, Ezio, mes respects, vous allez bien? Comme toujours, j'ai une lettre pour excusez-moi. Lorenzo. Je la lui remettrai dès son retour. Son retour? Ils sont partis à la Villa Careggi et ils ne reviendront. Mais pourquoi je presse cette touche à chaque fois? Vas-y, parle! Bon. Ok, donc c'est ici que s'achève cette partie 3, et donc on va direct passer à la partie 4.